Ouais, salut mes pirates, c'est Parano, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode sur Watch Dog. J'étais parti pour faire la mission sur la planque des gangs, mais juste avant, je me suis dit, c'est bon, arrête. J'étais parti pour faire la mission principale, d'un coup je vois une planque de gang, j'ai envie de les attaquer, c'est bon. Oui, parce qu'on est plusieurs en fait, dans ma tête. Donc j'en ai déclaré deux ou trois, hein, mais voilà. Donc comprendra. Ah non, c'est vrai, je suis un petit peu malade, il se fait tard et tout. Non mais voilà, je me suis concentré, il faut que je me concentre vraiment sur l'émission principale et que j'arrête de me focus à chaque fois dès que je vois un truc à droite à gauche. Voilà, un contrat de fixeur. Moi là, je vois un truc comme ça là, réellement si je recorde pas, je vais direct le faire et je vais tout défoncer quoi. Alors que non, il faut que je me concentre un petit peu pour que ça avance sur le let's play. Il paraît qu'il est quand même assez long et ça fait plaisir de voir un jeu qui est assez long. C'est pas non plus... hein, on n'est pas sur 30 heures ou quoi que ce soit. Mais si déjà il fait 15 heures de jeu, ça peut être vraiment... Franchement, j'apprécie. Donc on devait se rendre... putain, j'ai oublié d'appuyer sur le frein. On devait aller voir Georgie. C'est vrai que sur PS4... oulala. Surtout au niveau de la luminosité et tout, c'est très très joli, je trouve. Hein. Truc de fou. Hein. Où est-ce qu'il est? Jordi, c'est sans doute le pire des partenaires possibles, mais au moins je le connais. Dans d'autres circonstances, je serais peut-être à ses trousses. Ou le contraire. Mais s'il me dit qu'on a un problème, je dois me préparer à la pire des catastrophes. Il me restera plus longtemps à vivre, si je laisse ce survivant m'identifier. Ok, donc il faut vite qu'on aille l'abattre. Du moins qu'on aille faire quelque chose. Oh. Un distributeur. Merci. Pourquoi pas? Salut. Oh putain. Jordi, c'est qui ça? Bah, ils habitent ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la sécurité de l'immeuble est super pointue. Du coup, des gens comme eux, ça se sent à l'aise. Pour te dire, ils avaient rien d'autre qu'une petite chaînette à leur porte. De quoi regarder la tête du livreur de pizza avant d'ouvrir, tu vois? D'accord, d'accord, je vois. Et à propos du problème? C'est pour ça que j'ai pris ma grosse pince. Il ouvre un peu sa porte, il y a la chaînette, je mets la grosse pince et quick. Et là, surprise, ce soir on mange chinois. Jordi, le problème, il faut s'en occuper. Mais on s'en occupe, c'est ce qu'on fait. On nage dans les solutions, là, Pierce. J'ai bien l'impression que t'apprécies pas vraiment ce que je fais pour toi. T'imagines pas une seconde tous les services que je te rends. Et ça, c'est pas bien. Vraiment? Ouais. Si tu veux me rendre service, mets-toi au boulot. Combien de temps on a? Pas des masses, à vrai dire. Ah, oh, tu te souviens du cadavre? Tu sais, celui du stade, c'est plus vraiment un cadavre. Les flics l'ont envoyé au correctionnel de Chicago et il va bientôt entrer dans une salle d'interrogatoire. Tout ça pour pointer son gros doigt directement sur toi. Et comment c'est possible, ça? Et voilà qui recommence. Regarde cette vue. Tu vois, là? J'ai reçu un coup de fil ce matin. Quelqu'un a payé une sacrée fortune pour choper ce clown et le faire parler. Et l'un de ces types dirige la mission. D'accord, je vois. Il faut que j'aille lui parler, c'est ça? Oui, mais cette fois, essaie de parfaire le coup du flingue vide. Ce pauvre Maurice s'est pissé dessus après ton sketch. Chacun ses méthodes. Tu sais te servir de ce truc? Allez, bouge ton petit cul, je te couvre. Ah, et essaie de pas tuer le boss cette fois. Il peut être utile. Sans blague. Mort de rire. Franchement, la vérité, hein, les gars. Georgie, c'est pour moi... genre, c'est un pilier, ce mec, mais genre, il me fait tellement délirer, bon, ce con. Vite, d'accord. Mes potes du balcon commencent à gémir et ça me donne la migraine. Et si j'ai la migraine, je vais pas te servir à grand-chose. Tu crois que t'es le seul à vouloir faire ça vite? Comment je peux savoir ce que tu veux? L'empathie, c'est pas ton truc, hein. Non, pas trop, non. C'est quoi ce contrat proposé au fixeur? Qu'est-ce qu'il cherche? Toi, quelqu'un veut la tête du justicier.
Du coup, ils vont organiser un faux transfert de prisonniers pour faire sortir le seul témoin capable de t'identifier. C'est la première fois qu'ils mobilisent autant d'hommes, par contre. Ils savent que je vais essayer de les arrêter. Écoute, le témoin connaît mon visage. Si les fixeurs le retrouvent et découvrent comment je m'appelle, ils s'en prendront à ma famille. Ah, la famille. T'es trop sentimental, Pierce. Le voilà, ton point faible. Quelqu'un s'en servira contre toi un jour. Bon, je vais faire de mon mieux pour te couvrir, mais je peux pas tous les voir. C'est parti. Franchement, énorme. Georgie, quoi, franchement, énorme. Respect. Le mec, il s'est dit, on va faire un chinois, genre, mais un taré, quoi. J'aime trop, quoi. Eh, les mecs, ils se sentaient tellement en sécurité. Ils avaient juste une petite chaîne. D'un coup, ils regardent, et quick. Ce soir, on mange chinois. Mort de rire, franchement. Énorme. Énorme. J'adore. Il faudrait plus des persos comme ça. Ah. Et ben voilà. Je crois que c'est important quand même qu'il faut que je neutralise les gardes pour la simple et bonne raison que ça me donne de l'XP, de l'argent. Sinon je ne le ferai pas, hein, je vais pas vous mentir. Ils veulent tirer dessus ou pas? C'est Georgie qui vise là, on est d'accord ou pas? C'est bon, le temps qu'il le dégomme. Fais gaffe, il y a un débile en approche, tu le vois? Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. On va essayer de se faufiler gentiment sans se faire griller. Ok, par ici ça va, par ici ça va. Je vais faire une chose par contre, au cas où si ça part en cacahuète. Ah, et en plus je peux en faire. Ah mais je suis full, ok, quel con. Je vais rester sur les grenades à frag. Si ça part en sucette directement, je... Oh putain, je l'avais pas vu lui. J'espère qu'il va pas me griller. En plus dans la lumière. Attention, le mec essaie de te piéger. Hein? En fait, le truc c'est que est-ce qu'on peut tuer, on peut... D'accord, le truc sert à rien. Personne a vu, entendu. Je t'ai vu. C'est bon. Attends. Arrête. Qui est sur le coup de la prison? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas de quoi tu parles! Lance Brenner. Comment elle va, ta petite famille? Qu'est-ce que tu me veux, putain? Je te demande comment va ta famille. Oh, j'ai bien l'impression que t'as une double vie, toi. Père de famille, des gosses bientôt à la fac. C'est cher, ça, pour un syndicaliste. Je t'emmerde. Et puis, il y a le reste aussi. Des comptes fantômes, pleins à craquer. Est-ce que t'es au courant que ton nom est lié à tout un tas d'affaires classées? Ça intéresserait les flics, tout ça. Ok, attends. Tu veux du fric? Je t'en fais une partie, si tu veux. Ça y est, je m'emmerde. Ok. Putain.
Le coup de la prison, c'est Angelo Tucci. Il dirige un convoi, mais c'est trop tard, tu le retrouveras jamais. C'est pas lui que je veux. Il a de la famille en ville, non? Tu lui veux quoi, sa famille? C'est quoi ton putain de problème? Ça serait trop long à t'expliquer. Réveille-toi, Pierre, s'il en arrive d'autres. Il y en a beaucoup. Pas mal, ouais. Oh merde. Oh merde. Bon, faut alors vite qu'on se casse de là. Par contre, franchement, Attends. Je vais te filer du fric. Attends. Arrête. Mais donne-moi-le ton fric. Comment je fais pour le prendre son fric? Comment je fais pour le prendre son fric? Tu sais quoi? Fuck. Vas-y, va te faire foutre, mec. Il est là, je le tiens. Ah ouais, putain, j'avais oublié cette scène. J'ai qu'un coup de fil à passer pour faire venir une douzaine de gars. Sois vite. Allez, c'est pas si... Allez. Go. Ça énerve les flics là, hein. Oh, ils sont 800 000. Faut un véhicule. Oh putain! Oh, elle est en train de... Elle commence à me saouler, lui. Faut que j'arrive à péter l'hélicoptère, mais là, en conduisant, c'est pas facile. Déjà l'hélico, je pense que... Ok. Comment je fais pour avoir l'hélico, là? Je sais. Non? Je crois pas que ça a marché, ce merde. Bon, casse-toi, toi. Faut que j'arrive le semis. Ah, mais gros, c'est un tank que j'ai, c'est pas possible. Je vais me faire tuer. Regarde, je vais me faire tuer. Oh, le cul. Oh, moi j'ai changé de véhicule. Vite. Allez, casse-toi! Putain, je comprends rien, gros. Ça se voit que c'est... Oh, allez, du coup, il me rend dingue. Déjà, je mets tous ces cons. En fait, tu te donnes un truc pour neutraliser les hélicos, mais tu peux pas le faire en voiture, je comprends pas. C'est un truc de malade. Non, je sais pas. Ou je l'utilise mal, mais je pouvais pas monter quand... Je peux pas regarder le ciel. Il faut que ce soit vraiment derrière ou... Excuse-moi. Je t'en prie, passe avec ta limousine flambant neuve, là. Aiden, t'as oublié de me rappeler? On a retrouvé celui qu'on cherchait? Ouais. Je te raconterai tout ça.
Écoute, faut que je trouve quelqu'un d'autre. Mais j'ai un nom ce coup-ci, Elena Tucci. Elle est liée au type que je cherche. D'accord, elle vit à Chicago ? Ouais, j'ai besoin de savoir où la trouver. Alors... C'est bon. Waouh, elle a une sacrée empreinte numérique. Ok, ce matin, elle a publié quelque chose à propos d'un rendez-vous devant la Willis Tower. Super, je te rappelle quand j'y serai. J'aurai peut-être besoin d'aide. Ok. Donc, une chose que je voulais faire aussi importante... Quoi importante ? C'est pas non plus un truc de malade. Mais j'aimerais bien changer de vêtements un petit peu, là. Donc, je sais pas où c'est que point d'intérêt... D'accord. Désolé. Ah, d'accord, il y a un truc, mais il est... Il est à Bebelwed. J'aimerais bien au moins qu'on achète juste un vêtement, histoire de changer un petit peu, qu'on soit pas... Qu'on soit pas tout le temps habillé pareil, tout au long du let's play. Donc la mission principale est juste là, mais bon, on va aller juste... On en a pas pour longtemps, je pense. L'électricité est coupée dans plusieurs quartiers. D'après la municipalité, le site OS aurait détecté un risque d'incendie au niveau du poste transformateur. Il semblerait que, sans le réseau du site OS, ces dégâts auraient pu être considérables. Ok, c'est cool. Je sais pas, je vais me garer à la bien, mais je fais TB. Oh putain, je me suis pris un poteau dans la bouche. Ah là, je peux la prendre la musique. Vous avez vu, c'était chelou, hein. Je prends tout, mec, non? Mais c'est quoi, ça les télécharge? Oh, je change juste la musique en fait. Non, je veux plus. What, what? Mais il est fada ou quoi lui? D'un coup ça déclenchait la musique, n'importe quoi. Je peux vous aider? Ah, j'ai celui-là en fait, c'est avec l'éditeur. Vous allez, vous trouverez ça chez personne d'autre. Ça, c'est un costume que j'ai eu grâce à l'édition de luxe. Mais je vais pas prendre celui-ci. Ouais, même s'il est pas mal, je trouve. Mais bon, ça fait un petit peu béré ce qu'il a sur la tête. Et montre comment il est là. Ouais, remarque, c'est un petit peu pareil. Hein. C'était pas celui-là que je voulais, moi. C'était pas fumé, ombre. Ombre, il était comment? Ouais. Il y a des mecs qui parlent français et des mecs qui parlent anglais, je sais pas si vous captez. Bungie. Ouh la tête, t'es sérieux? Oh, ils sont dégueulasses. Oh, les costumes sont dégueulasses. Ma foi, bon. Ombre, ça donne quoi? Je suis sûr que vous en serez très content. Ouais. Je sais pas en fait, on dirait qu'il est béret sur la tête, mais en fait c'est une casquette. Je vous, écoute, vous voyez ce que je veux dire? Là comme ça, vu comme ça, on peut pas tourner. Exclusivité, ouais d'accord, j'ai tout. Menacé, retour, navigation. C'est chelou je trouve, hein. Faut vraiment sortir du menu après pour voir ce que ça donne. Voyez où c'était comment déjà? Vous êtes vraiment sûr? Avec la cascade New Era et tout. Ah, remarque, il est pas mal comme ça. Ah, remarque, c'était pas mal comme ça. Bah, je vais juste regarder la deuxième. Je prends mon travail très au sérieux. J'ai pas trop de temps à perdre. Vas-y, calme-toi, toi. Et Bungie, il était comment? Revenez quand vous aurez du fric à dépenser. Oh là là, il est trop les Bungie, c'est un truc de fou. Pourquoi j'ai acheté ça, frère? Oh. Tout va bien? J'ai vu marqué Bungie, j'ai acheté direct moi, mais non, en fait, moi, il pue. Hein. Oh. Danger public, ouais, j'y crois pas. Jour de lessive, mort de rire. Oh, j'aimais bien, c'était lequel? Voyou, non?
C'était Ombre. Peut-être la prochaine fois. Ouais, c'est ça, la prochaine, ouais. Ombre, il est pas mal parce qu'il a une casquette noire, je préfère. De toute façon, on changera, hein, vous inquiétez pas. Il fait voler le... il fait voler le lampadaire depuis tout à l'heure. Wow. D'un coup, la musique s'est déclenchée tout à l'heure. Ça aussi, c'est une chose que je n'ai pas dit, mais vous pouvez le faire. C'est à tout moment, même si vous n'êtes pas dans le véhicule. Si vous êtes dans le véhicule, là, trop tard, merde, c'est produit. Ben vous pouvez quand même déclencher la musique, ce que vous ne pouvez pas faire sur les jeux comme GTA ou sur Saint-Tro. Si sur Saint-Tro, je crois que je pouvais le faire aussi à pied, déclencher la musique. Vu que de toute façon, dans le dernier Saint-Tro 4, on était pratiquement tout le temps à pied. On n'utilisait même plus des véhicules, on était super cheatés comparé aux véhicules. Ok, je suis à la Willis Tower. On a quoi sur Elena? D'après ses mises à jour de statut, elle aime bien les selfies. Là, elle fait une duck face. Là, elle est avec une copine. Ah, elle aime ses chats aussi. Qu'est-ce que tu lui veux à cette pauvre fille? À elle, rien. C'est son oncle que je recherche. Et je pense qu'elle peut me mener jusqu'à lui. Ah, pour le coup, j'aime bien les gants qu'il a. Ah, j'ai bien fait de prendre cette tenue, j'aime bien en fait. J'ai quelque chose. Elle a publié une photo d'elle ce matin. Sa tenue du jour, cheveux bruns, lunettes et un sac à dos vert. Merci les réseaux sociaux. C'est un bon début. Je continue à chercher. Demandez votre cas au Festival Gustatif de Chicago. Rencontrez des chefs célèbres. Apprenez à cuisiner. Goûtez des mets savoureux. J'ai les cartes qui se mettent. Si je me souviens bien, je crois qu'elle n'était pas là. Il était un peu plus loin. Ah, la pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai son dossier médical sous les yeux. Elle a avorté l'an dernier. Ça expliquerait ses visites chez le psy. Pourquoi tu cherches tout ça? Ça m'intéresse pas de la connaître. Je veux juste la retrouver. Hé, moi je lance la recherche et les infos arrivent toutes seules. Je suis désolée, je décide pas du contenu. Ok, Elena. C'est parti. Elle est là. Allô? Mademoiselle Tucci? Je suis le docteur Hayat du Chicago Hospital. Nous avons les résultats sanguins de votre oncle Angelo, mais on n'a que votre numéro. Vous savez où on peut le joindre? C'est urgent. Ah, je suis désolé, j'ai pas parlé à mon oncle depuis des années. D'accord, merci beaucoup. Attention. Ouais? Salut, tonton. Elena. Tu veux encore des places de concert? Non, écoute, j'ai reçu un coup de fil bizarre. Je crois que les flics te recherchent. Quoi? Merde, ton appel vient sûrement de les mettre sur ma trace. Raccroche tout de suite. Bingo. Angelo Tucci, où est-ce que t'es? Ah, te voilà. Angelo Tucci. C'est ce type qui organise le transfert de mon témoin. Quelqu'un l'a payé pour obtenir l'identité du justicier. Quelqu'un qui veut mon nom. Mais il l'a pas encore. Je commence à être légèrement nerveux là. Tu l'as retrouvé? Je suis en train de traquer son GPS. Je vais le choper avant qu'il arrive à la prison. Joli. Dégage. Putain, vite, faut que j'arrive à le choper, le mec. Oh putain, en plus, il va vite. Bon, ça va être quoi le plan là? J'ai posé des grenades, je pense. Et j'ai rien d'autre en fait pour le moment, donc. Je sais même pas si j'ai des améliorations là. Non, j'ai 0 points. Putain, la lumière elle casse les yeux, hein. Où je vais?
Ah merde, d'accord, ils disent de charger. Il faudrait que je lui barre la route en fait. Oh vite! Y'a pas un feu rouge dans le coin? Merde, c'est pas le bon mot. Faudrait que j'arrive à l'autre intersection là et que je le bloque, je lui barre la route. À moins que je fasse des bus sur la route, qu'il y ait des voitures qui fassent des embouteillages et tout. Je pense que ça va être parfait comme ça là. Oh oui, ça va être même être très 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 bon. Ah, j'ai tué tout le monde sauf lui. Oh. T'as une seconde? Je t'écoute. Bon, ok. On dirait que tu t'es fait de nouveaux ennemis. Et ils ont l'air nombreux. Alors si tu veux mon avis, attends-toi à quelques emmerdes. Génial. Ah, j'ai tué tout le monde. J'ai pas réfléchi en fait, je me rappelais plus de la touche, j'ai fait n'importe quoi. Il est pas sorti du véhicule? Oh bordel, gros bordel! Oups! Bordel. Pouh. Mec, il croit qu'il est sur une force speed, t'sais. Allez, vas-y, faut que je l'essaie maintenant un peu. J'aime trop cette voiture. C'est bon ça. Oh putain. Nickel. Voilà. Le transfert n'aura pas lieu. Il ne me reste plus qu'à trouver le moyen d'entrer dans cette prison et d'avoir une petite conversation avec mon témoin. Je fais bordel, il va falloir que je réfléchisse un peu plus avant de faire des conneries là. C'est pas possible de faire de la merde comme ça là. C'est quoi cette mission intervention judiciaire là? Escorte criminelle, ok, il y a encore des escortes, c'est quoi ça? Planque de gang. Contrat de fixeur. Est-ce que t'as toujours des contacts en prison? Je leur ai déjà demandé s'ils pouvaient le faire glisser sous la douche. C'est des fumiers, mais pas à ce point là. Je veux me faire arrêter. Bah bien sûr. Mais pourquoi tu ferais ça? Le témoin en question, c'est un pauvre type. Il était au mauvais endroit au mauvais moment, c'est tout. Il avait rien contre moi. Je veux pas le tuer. Juste lui faire comprendre que je peux l'atteindre n'importe quand, n'importe où. C'est vraiment trop pourri comme idée. Mais j'adore. Je vais trouver le plan de la prison, on se parle plus tard. T'as besoin de quelque chose? Mon téléphone. J'y crois pas. T'as un vrai problème. Tu deviens accro. Jordi, il me faut mon téléphone. Ils vont me le confisquer dès mon arrivée. Ouais, je sais, je te fais marcher. J'ai justement le type qu'il te faut. Il a une dette envers moi, tu lui auras son téléphone. Un check it? Je sais pas ce que ça veut dire ça.
centre correctionnel de Pellin. Grâce à Bloom, cette prison vient d'améliorer son système de sécurité. Serrure en réseau, surveillance automatisée. Si ma cible avait été autre part, j'aurais eu un problème. Mais pour une fois, Bloom a raison. La technologie facilite la vie. Bouge pas! Lâche ton arme! À terre, tout de suite! L'un derrière la tête! Allez! Dis à Jordi qu'on est quiète. Bouge pas! Pierce, Hayden. Never again. Smith. Hey, je te l'ai déjà dit, mec. Tu comprendras quand t'auras un surin planté dans le dos. Ouais, c'est ça. Allez, rentre là-dedans. Hey, enculé, j'ai droit à mes 20 minutes de pause, putain. Ferme ta gueule. Normal, le mec s'est introduit comme ça, normal et tout, putain mort de rire quand même. Ah là là, les chacals. Donc là, il va falloir vite. Quoi, vite. J'arrive à pirater les caméras. Pour le coup, lui il est comment? Lui il est pas dans la bonne posture. Lui je sais qu'il y avait un petit truc à prendre par là. J'écouterai ça tranquillement, au calme. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pirater. C'est toujours bon. À prendre. Par ici, il n'y a plus rien. Faudrait que j'ai un bolos qui soit calé pour aller... Voilà. GG, petit bolos. Merci, tu vas me permettre de m'échapper. Thank you. Je suis prêt. Ouais, je vois ça. Arrête de jouer au con, c'est toi qui devrais être ici, c'est ta faute tout ça. Tu devrais surtout parler moins fort. Si t'envoies au trou, je pourrais pas t'en faire sortir. Je vais chercher le planning des prisonniers. Je te rappelle plus tard. Ok, donc jusqu'ici tout va bien. Soit de là. Ouh là 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 là. Jordi, j'ai trouvé le planning. Elle est où la cour de promenade? En haut. Ok. Oh le con. Tu peux pas me dire qu'il va rester posté devant. Oulala. Ok, qu'est-ce que c'est cool de se servir des gardes pour... C'est un truc de malade ça par contre. Hein. Ça je surkiffe. Alors ok. De toute façon on va fermer toutes les issues là, y a pas le choix. On va juste bouger ça. On va voir ce que ça dit. Si je me souviens bien, ce mec avait une sorte de tatouage sur tout le visage. Un truc dégueulasse. Mais facile à repérer. Il doit être dans le coin. Donc il avait la boule à zéro, je me rappelle plus où il est par contre lui. Changement de plan.
Notre transfert de prisonniers a raté. Vous êtes le plan B. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tout ce qu'il faudra pour faire parler Steve. Ça marche. N'importe quoi. J'y crois pas, moi non plus. Ok. Ça pue l'exécution, cette histoire. Qui ferait un truc pareil? J'ai une théorie, ma gueule. Laisse tomber. Je sais à qui tu penses, mais il n'existe pas, ce mec. Oh! Je t'ai retrouvé. Et maintenant, comment te faire partir d'ici? Mais pourquoi je dois être transféré? Et vous êtes qui? Vous êtes qui d'abord? Il est où mon avocat? Mais répondez-moi! Mais tu vas la fermer, Patrick! Où est mon avocat? Emmène-le voir, ton avocat! Non, jamais d'abord, de la vie! D'abord, faut qu'on tenait toi un peu, monsieur! Je veux pas suivre ta gueule, putain, ta gueule! Merde, je ferais mieux de le retrouver avant qu'il le tue. Là, il y a un problème. Des gardes viennent d'embarquer notre cible. Merde, ils sont au sous-sol, vas-y. Excuse-moi, gros, mais j'ai pas vu que tu me grilles. Colle-toi ça. Oh putain, un truc de fou, frère. Faut pas qu'il me grille, lui, hein. Oh putain. Depuis tout à l'heure, j'ai pas pu. Bouge-toi, putain d'ascenseur de merde. De couverture pour une opération bien louche. Qui fait respecter la loi, c'est beau quelque part. Les portes sont ouvertes. Personne à cet étage. Aucune alarme a été déclenchée, fais attention. Bordel, qu'est-ce que de mange-merde que vous foutiez au stade? Vous faites du business sans nous ou quoi? Tu crois qu'on n'a pas des amis au placé, connard? Eux aussi, ils veulent avoir leur part. Non! J'ai déjà tout dit! C'était pas un deal! On nous a appelés. Et on ta s'est gueule, fait baiser, quoi. C'est moi qui vais te baiser. Alors arrête de mentir. On t'avait prévenu, tu veux mourir? Ça a pitié, quoi. Il faut qu'on pirate le truc, mais merde. C'est la vérité. Je le jure. Je t'en supplie, mec, je le jure. Et ton pote, qu'est-ce qui lui est arrivé? Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Boris? Je sais pas. Ils l'ont chopé. C'est qui, il? Bon là ça va chier. Boost focus. Ah ça peut être intéressant. Oh oh oh, il y a des coups de feu. Oh oh, lui non. Tu veux... T'es sérieux, mec? À terre. Il est touché. J'aurais pas dû là. Coup de feu! Coup de feu! Encerclez-le! On le lâche plus! Vous êtes à découvert! J'ai besoin de. Vous êtes à découvert! Planquez-vous! Officier à terre! J'ai vraiment hâte de voir la gueule que tu dis! Retournez! Planquez-vous! Écoute, mec, j'ai une. Ta gueule! Oh putain, y'a Dark Vador! C'est ce que j'ai fait, moi, Dark Vador? Allez, viens là. Là, allez voir.
il les a tous butés. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai vraiment failli canner là, c'est chaud. Je sais pas si je les garde pour plus tard les armes, mais en tout cas je les ramasse. Je sais pas comment ça se présente. Au secours, putain! Entré. Au secours! Comment t'as fait pour entrer, mec? Oh, tu sais, c'était plutôt facile. Les prisons haute technologie, ça simplifie les choses. On se connaît? Quoi? On se connaît? Non, non, non. Je t'ai jamais vu, mec. Je me disais aussi. Donc, t'es ici pour 60 jours. Et tu sors dans 30 jours si tu te tiens bien. Et maintenant, c'est marqué quoi, là? 60 ans? Mais qu'est-ce que tu fous, mec? Je te montre juste un avenir différent. Tu vois? Des fois qu'ils te prennent l'envie de parler... ou de passer un marché avec les flics. On se comprend. À toutes les unités, on vous signale l'évasion. On recherche un homme blanc du nom de John Smith. J'ai besoin d'une unité à la blanchisserie. On a perdu le contact. Reçu. On y va. Jordi, c'est fait. Super. Bon, j'imagine que tu veux sortir. T'en fais pas, je t'ai envoyé un petit colis surprise. Où ça? T'inquiète, tu peux pas le louper. Mort de rire. De 60 jours, c'est passé à 60 ans, quoi. Normal. Le mec lui a fait bien comprendre que... Oui ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Ou on ouvre le feu ! Je vais le percuter ! Arrêtez ce véhicule ! Je répète, arrêtez ce véhicule ! Faut que je décime, faut que je décime, là. Avant de faire quoi que ce soit, je vais faire un truc. Bien reçu. Une voiture de patrouille de choc est en route vers la position du suspect. Normal, frérot, normal. Central, ici 8-2-1 à Dan. On rentre. À vous. Finalement, le plan a fonctionné. Je reste anonyme. Maintenant, les tueurs de l'ENA. Je veux savoir qui est responsable. Damien m'a parlé d'un deuxième hacker, quelqu'un qui était au Merlot. Il faut que je découvre ce qu'il sait.
Mort de rire, on a fait TB. Normal, le mec parle sur les rails et tout. Vous avez vu que ça a quand même pas mal d'importance. La famille avant tout. Ça a vraiment beaucoup d'importance. Le fait d'avoir piraté ces putains d'hélicoptères de ouf là. Donc, arbre de compétences, j'ai combien? J'ai 2 points. Je vais pas aller loin avec 2 points. Ce que j'aimerais faire, moi, c'est augmenter la batterie. Et pour le moment, je peux pas le faire. Donc là, ça débloque. Perturber les communications ennemies. Pirate les équipements de communication ennemis en produisant un effet Larsen incapacitant. Ouais. Ouais. L'éponge, je sais pas si c'est vraiment efficace pour le moment. Allez, je vais prendre les Hertz. On verra de toute façon par la suite comment ça se passe. Faudrait aussi que j'améliore un petit peu les objets. J'avais amélioré vite fait pour avoir le blackout, le brouillage et la EEI. Non, pas la EEI, c'est la grenade d'infragmentation. La EEI, c'est plus tard. Franchement, ça a l'air de faire tarpé mal. C'est combien de points ça? C'est 2 points. Je pense que je le prendrai la prochaine fois pour faire des petites missions. Ça peut être vraiment, vraiment très, 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 très fat. EI à proximité, de proximité. D'accord. Un ennemi il arrive, il se pointe dessus. Bouh. Ah, donc c'est peut-être celui-ci qu'il faudrait que je prenne pour. Ok, donc on verra par la suite. En tout cas, moi j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Je pense, je vais laisser un petit peu l'interaction. J'ai pas du tout aimé notre rencontre. Au moins je t'ai pas tué. On s'entendait si bien avant. Je t'ai appris plein de choses. T'es un hacker professionnel. Et c'est toi le mec des infos. Le justicier. T'as parlé d'un deuxième hacker pendant le job du Merlot. Mais ça on le savait déjà qu'il y avait quelqu'un d'autre. Donc, t'as quelque chose de nouveau. Ah, intéressant, pas vrai? Viens me voir, je t'expliquerai. Dis-moi d'abord, on verra si j'ai envie de te voir. Non, non, mes infos, mes règles. En plus, il faut qu'on rattrape le coup de la dernière fois. Allez, Aiden, dépêche-toi. Donc, pour le prochain épisode, pour le 5e épisode, on va aller se rendre pour aller voir Damien. On va voir de... qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Les nouvelles infos croustillantes à nous proposer. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très très bientôt. C'était Parano. Allez, peace!